suis un puncher, je fais 122 kilos, je suis le roi. Et c'est clair, toutes les ceintures, il n'y a que moi qui ai autant de ceintures. J'en ai 12. J'en ai 12 à la maison. D'accord, j'en ai ramené 6 pour faire plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, monter sur moi, c'est soit tu tombes, soit je tombe. Les gens ne se rendent pas compte de ma puissance. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd avec autant d'abdos? Est-ce que tu crois que mon corps il est forgé comme ça par hasard? Je m'entraîne dur, très très dur. Quand tu prends une droite de ma part, tu ne te rends pas compte. Tu vois, il y a très peu de boîtes au poids lourd au monde qui peuvent supporter ma puissance. Et ça, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Une fois que tu es sur le ring ou que tu me vois à la salle, tu comprends ma puissance. C'est sur l'adversaire, ça valait quoi? L'adversaire, il a pas pu tenir. C'est ça, c'est la vie. Et maintenant, comme j'ai dit, mon palmarès, c'est 47 victoires, 45 KO. Je n'ai mis que des KO. Donc ne t'attends pas à ce que je gagne au point, que ça soit serré. C'est de la puissance pure. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd taillé comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd aussi beau que moi? Non. C'est moi le meilleur. Donc aucun adversaire, aucune personne ne peut faire tomber. Mais t'es fou, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Je le répète, je le signe et je le répète, c'est pas du hasard, c'est un travail de dingue. Je vis dans la salle, je dors dans la salle, je m'entraîne tout le temps, tu vois. Je vois ma femme, mes enfants et puis le reste, je sors pas de chez moi. Et quand je sors, c'est pour fumer les gens. Je suis un loup, je suis pas un chien. Ça veut dire que quand je débarque, tu me donnes ce qu'il faut et j'arrive. Et je rentre dans ma tanière. Sur le ring, justement, tu as donné rendez-vous à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce rendez-vous là? En fait, je vais pas faire la publicité des gens. Il y a un certain adversaire que je devais affronter ici. L'organisateur était un voleur qui ne m'avait pas respecté quand j'ai combattu Bob Sapp. Donc à cause de ça, j'ai pas boxé. J'ai pas voulu reboxer chez lui. Au lieu de dire la réalité, il a essayé de me discréditer, de me faire passer. Mais moi je n'ai pas de carence affective. Je n'ai pas de carence. Moi on peut dire j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, je n'ai jamais joué à ce petit jeu-là. Aujourd'hui, les Qataris, comme on le sait bien, les hommes les plus riches au monde, ont organisé cet événement, m'ont appelé. J'ai dit, ok, no problem, my friend. Ils me reçoivent bien, ils me mènent en billet première classe. Et je n'aurai pas à payer les billets de train de mes coachs pour qu'ils rentrent à Lyon. La dernière fois que je suis venu, mes coachs ils sont rentrés, on ne leur a même pas payé leur billet retour, c'est moi qui ai payé. Voilà la vérité. J'attendais d'avoir l'occasion d'en parler, c'est ça la vérité. On ne respecte pas les boxeurs, on les prend pour des chiens, ils font spectacle et ils dégagent. Sauf que moi, je ne suis pas un chien. Donc je n'accepte pas tout. Et voilà, et je suis pas au cirque, on n'est pas au cirque Pinder, faut me respecter, faut respecter ma famille, faut respecter tout le monde. On m'a pas respecté, donc il était évident que j'allais pas revenir ici faire le clown. Et donc le futur adversaire, ce sera qui? Vous le saurez bientôt, ça va être assez rapide, vous le verrez, j'ai déjà signé. Je suis pas là pour leur faire de la pub. Ils m'en font pas, j'en fais pas pour eux. Ce sera un show, véritable show. Ça va être la guerre. On n'est pas 50 à se taper aussi fort. On n'est pas 50. Là, je parle très sérieusement. Ça va être un combat de malade. Je vais m'entraîner 10 fois plus dur que là. Ça va être un combat de dingue. Un combat que les gens ont. Ça va être l'un de nous deux va tomber. C'est un combat à la mort. Du côté de ton coin, il voulait que tu boxes un petit peu plus. Il voulait que je dure. De gérer un peu plus. Finalement, c'est plus fort que moi. Ouais. C'est plus fort que moi. J'essaye, mais c'est plus fort que moi. Tu l'as entendu, mais c'est plus fort que moi. Je suis un mauvais, je suis un nerveux, tu sais quoi, j'essaie de garder mon stress, etc. En plus j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû travailler, c'est pas grave. En fait c'est quand je suis en danger que je... truc, c'est une erreur, je sais, ça va peut-être me coûter cher un jour. Je sais, ils ont raison, j'aurais dû travailler plus. Mais quand j'essaie de travailler, juste ma droite est passée quoi. J'ai mis une droite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien en face quoi. D'accord. Donc moi je vois un trou, je frappe, hein. Je devrais être plus propre dans ma tête. Je vais m'améliorer. Okay, merci à Lyon, merci aux Lyonnais, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui savent que c'est extrêmement dur pour moi tous les jours. Pour venir ici, j'étais à 134 kilos, je suis redescendu à 110, et donc ils sont trompés sur moi, 117 kilos, j'ai perdu 17 kilos.
C'était extrêmement dur. Je me suis blessé gravement l'année dernière. Et voilà, personne ne m'a pas vu depuis un an. Donc c'était aussi un retour, beaucoup de stress. J'étais en train de me chier dessus dans le dossier.